Et salut à tous, c'est GGKonKiller et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'épisode 7, non 9 de notre playthrough sur sport que je tourne le jour même où je vais poster parce que j'en ai plus de réserve et voilà, parce que je tourne à l'avance, donc ça me permet aussi de vous passer quelques messages. Donc déjà un premier message, un grand merci à Alkanir qui a fait mon background sur ma chaîne YouTube. Allez voir ça, franchement, il déchire, il est vraiment génial ce mec. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne aussi que je mettrai dans la description. Deuxième petite info, je vais faire, j'ai déjà commencé, j'ai déjà tourné 3 épisodes avec MNI No Life, je ne sais pas si vous connaissez. Qui commence à se faire connaître et avec qui je fais une série sur Battlefield 3, une série en fait qui reprend les coops de Battlefield 3, donc les petites campagnes, des choses comme ça. Et donc n'hésitez pas à les voir. C'est donc en fait chacune des campagnes. Bon, vous allez dire ouais, vous êtes nuls, vous les faites en facile, mais c'est pour éviter de pas trop non plus devoir recommencer les vidéos et toutes sortes. Ce serait quand même un peu chiant de devoir à chaque fois recommencer si on meurt ou des choses comme ça, ce qui nous est déjà arrivé. Donc bon, le seul inconvénient c'est qu'on les fait en facile, mais sinon il y a de l'action, ça c'est clair. Le mode facile reste difficile pour nous, je vous le rassure. Donc vous allez nous voir souffrir, et en tout cas délirer, ça c'est clair. Il est vraiment super sympa et croyez-moi, il fait de très bonnes vidéos et de très bons tutos qui pourront sûrement vous aider dans quelque chose parce qu'il fait un peu de tout. Donc voilà, ça c'était pour MNI No Life. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir sa chaîne et à vous abonner parce que franchement, vous ne le regretterez pas. Et puis après, je crois que c'est tout. Et si encore quelque chose, je n'hésiterai pas à le dire. Donc allez, n'oubliez pas d'aller voir la chaîne d'Alkanir et de MNI No Life. Bon, on va commencer maintenant. Donc, après 2 petites minutes d'explication, ou 3, j'ai pas bien calculé, on va commencer. Donc, sur l'épisode 8 qui était assez court, je vous avais promis de vous expliquer un petit peu l'épisode 9. C'est pas vraiment ce que je vais faire, vu que c'est un playthrough, donc j'ai dit ça comme ça. Mais donc je vais vous l'expliquer, mais en jouant évidemment. Donc c'est ça qui fait être bien. Donc je vous rappelle, attendez, je me rappelle des touches parce qu'elles changent en fonction du mode où vous êtes. Donc en fait, vous avez votre ville. Attendez, je dézoome un petit peu parce que j'aime pas trop. Je zoome pour vous montrer. Donc vous voyez, la ville ici va s'améliorer. Hein. On peut mettre des bâtiments et tout. Là, ça va, c'est pas, ça donne pas très bien, mais bon. Alors là, on a notre. Hop là, ouais, on a notre première voiture qui fait je sais pas quoi, ouais d'accord, je viens de complètement foirer. Ah tiens, ah oui non, ça c'est pour sélectionner, c'est juste. Alors donc en fait cette voiture va nous servir à aller chercher les épices, les trucs d'épices qui se trouvent ici par exemple. Oui, merci monsieur. Les trucs d'épices qui se trouvent là par exemple et qui va nous rapporter un peu de l'argent comme ça, vous voyez. Donc elle va installer un dispositif qui va nous appartenir, voilà, et ça va pomper, c'est un peu comme des pompes à essence. Bah ici non, c'est des trucs, c'est un espèce de poudre, ils appellent ça des épices, bon vu on sait tous que l'épice coûte cher. Et je pense que c'est ça, hein. Si dites-moi dans les commentaires si je me trompe, je me souviens plus trop. Je pense que... bâtiment. Bon, si c'est pas ça, dites-le moi. Mais il me semble que c'est ça. Donc on prend possession des trucs d'épices qui se jettent comme ça, qui vont nous rapporter de l'argent. Donc voilà, hop. Donc ça c'est notre territoire, vous voyez. Hop, ça c'est ce qu'on a conquis entre guillemets. Donc voilà. Alors oui, alors aussi je suis plutôt content des réactions sur ma vidéo Brink, parce que les gens ont l'air contents et disent ouais vas-y fais-le et tout. Donc bon, moi je suis content, donc c'est cool, franchement merci. Merci aussi pour les gens
Désolé, je me souviens plus du pseudo et une certaine personne qui m'a mis un chouette commentaire sur mon épisode 4 de ma série Minecraft et plein d'autres aussi hein, sur mon épisode 3 et tout, de remerciements qui me disent de continuer et tout. Franchement, c'est super sympa, ça touche vraiment. Ça donne vraiment envie de continuer ces genres de messages-là qui sont gentils. Donc voilà. Alors, ici, ouais, justement, je tournais autour. Oula, ça devient justement une ville. Alors ça, c'est une ville religieuse, il me semble. Qu'on va, à mon avis, c'est la première qu'on va aller détruire parce que moi, je suis en mode militaire. Et mon but, c'est de tous les détruire une par une, comme ça, parce que moi, je suis un barbare. Donc ici, on a des bombes nucléaires et tout ce brôle-là, missiles, bombes gadgets, des trucs comme ça. Tous ces brôles-là. Alors, est-ce que j'ai encore des trucs à épices? Ah, ça c'est encore une voie. Bon, ça c'est à nous. Ok, très bien. Bon, alors, on va voir ce qu'il nous veut. Atelier urbain. Alors, ces onglets vous aident à naviguer dans l'atelier urbain pour acheter des véhicules, des bâtiments, des ornements, pour composer des hymnes et équipiers pour citoyens. Alors, j'ai peut-être une voix un petit peu plus grave ou un petit peu plus morte que d'habitude, mais c'est parce que je viens de me lever et je fais une vidéo de bon matin. Et ouais, comme ça. Alors, donc, non, moi je m'en fous des magasins urbains. Ouais, je m'en fous. Ça, je m'en fous aussi. Ah, limite, non, la musique, on peut la changer. In. Ouais, c'est ce machin là. Oh, bon, tant pis, je ferai ça une autre fois. Bon, donc là on a des petites serres pour décorer et tout. On peut pas encore faire de bateau. Donc ça c'est ma voiture. Et on va créer les maisons. Chers petits amis, c'est parti. Je n'ai absolument aucune idée de comment je vais faire. Donc comme la mairie, on va le faire à l'arrache. Non, j'ai pas envie de mettre ça. J'ai envie de mettre un truc, un petit pont comme ça. On va agrandir à fond. Oui. On va faire un arc de triomphe. Ouh. Alors, si je modifie ici, voilà, on va faire grand, hein. En fait, ça c'est pour modifier, c'est le même. On va pas faire des maisons trop grandes non plus. Donc voilà, hop, ça c'est fait. Pas besoin de plus, enfin je pense pas moi. Pour moi, franchement. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen de le déplacer? Oui. Il y a moyen. Parce que je mettrais bien ce machin. Hop, voilà. On l'agrandit comme ceci. Hop, on fait des petites bordures sur les côtés pour faire joli. Voilà. Et tiens, on peut améliorer. Ouh! C'est marrant, ça me fait penser à un truc chinois. Bon, bah, on va laisser comme ça. Je trouve ça plutôt cool. Alors, après, ce genre de choses, on va mettre. Moi je vais pas vous cacher. Bon, je vais mettre ici, allez hop, comme ça. Voilà. Voilà. Alors, comme porte, la porte. Ouais, attendez, je vais rajouter quand même un truc parce que là ça le fait pas en fait. Je vais faire un truc qui va être stylé d'ailleurs. Donc, cette partie-ci, je vais la rajouter au dos de la maison. Voilà, là elle est bien placée. Et je vais faire en sorte qu'elle soit encastrée dans la maison. Donc, je vais agrandir encore une fois. Voilà, là ça me paraît. Voilà, comme ça c'est parfait. Donc on n'aura plus qu'à ajuster la porte juste ici. La porte qu'on va mettre. Non, pas comme ça, on va la mettre un peu différent. Justement. La porte, je vois qu'on va devoir l'agrandir aussi. Hop, alors. Si je fais ça ne va pas. Oh oui, ça c'est beau. On va faire une belle grande porte comme ça. Voilà. Ça fait genre qu'il y a un arbre qui traverse le truc et ça fait une magnifique porte, je trouve. Pour la maison, pour le moment, ma maison est plutôt réussie. Hein. Pour quelqu'un qui s'y prend comme ça à le haut des gains, je trouve que je m'en sors plutôt bien. Alors, pour ce qui est des fenêtres,
Voilà, c'est magnifique, elle se centre. Hop, j'aime bien les petites décos comme ça qu'on peut rajouter par après, c'est fort sympathique. Voilà, baisser quand même un petit peu. Voilà. Alors, on va rajouter des petites fenêtres du genre ça derrière. Waouh! Ok! On va mettre une de chaque côté comme celle-là. J'espère qu'on peut avoir des cheminées parce que je vois bien une cheminée sur cette maison, franchement. Ça me paraît être une bonne idée. Bon, attends, je vais essayer de trouver quelque chose pour ce petit toit. Du coup. Waouh, je me surprends moi-même, franchement. Je me surprends moi-même. Je trouve cette maison plutôt magnifique en fait. Franchement, c'est. Je me souviens pas avoir fait une maison aussi belle. Alors, les fenêtres, c'est déjà fait. Alors, ça. Ça. Ah oui, ça c'est comique ça. On peut mettre des petits. Attendez, ça c'est un truc pour les oiseaux. Donc on va en foutre un. Allez, c'est joli, ça rajoute des oiseaux. Voilà. Alors, un puits à vœux. Alors, est-ce qu'on a un jardin? Non, on peut pas. Il n'y a pas vraiment de jardin, donc on peut pas trop. Limite, si on met ça sur le côté, est-ce que ça peut rendre bien? Non, ça va faire surcharger, on va pas mettre tout ça. Ah, par contre, un lampadaire dans l'autre sens, ce serait sympathique. Est-ce que grand ça donne bien? Ouais, ça donne bien, voilà. Ça, c'est fait. Alors, mur de pierre, c'est pas utile. Alors, on a un crachoir, un champignon cracheur et tout. Ouais, c'est. Bah, ah! Une ampoule Inès, ça, c'est cool. Limite, s'il y a moyen d'en encastrer une près de l'entrée, ça peut être chouette. Ouais, génial. Ça c'est cool, ça. Voilà. Ça, c'est tout joli, ça. Près de l'entrée, comme ça le fait bien. Je me crois un peu dans Minecraft, là, en mode création, comme ça. Donc, je m'étais dit que j'allais mettre une cheminée. Alors, la cheminée, je vais la mettre, bah, tout simplement sur ce petit machin. Alors, je vais mettre celle-ci, je crois. J'essaie de bien la centrer pour que ce soit joli. Voilà. Vais pas la faire trop grande. Voilà. Comme ça, c'est tout bon. C'est tout joli. Moi, j'aime bien. Donc, voilà. Alors. Bah, ça, c'est fait. Tout est parfait, tout est bon. Voilà. Alors, pour ce qui est de ça, qu'est-ce que je pourrais rajouter qui pourrait donner joli? Mais écoutez, moi je pense que c'est bon, hein. Pour la maison, on va voir pour les couleurs. Alors, ouais, il y a juste les. Limite, moi j'aime bien ces couleurs-là, mais il y a juste la lampe et tout que je vais changer. Donc, on va passer en mode personnalisation simple. Et on va faire un truc comme ça, barbare. Alors, est-ce que si je mets les pointes comme ça. Waouh, ça les met en or. Et ça, c'est cool ça. On va justement mettre ces trucs-là en espèce d'or. Et voilà, bah c'est bon. Hop, moi je dis. Hop. On va l'appeler Super Maison. Et voilà. Hop, la Super Maison est créée. C'est magnifique. Franchement, je l'adore. Et on va tout de suite en placer une, mes amis. Hop. Et voilà. Si ça, c'est pas beau. Par contre, je vais la dépasser juste pour la voir correctement parce qu'il y a l'arbre dans le passage. Voilà, en gros, on a. Le petit crachoir qui crache à fumer, les petits oiseaux qui tournent là, on a le lampadaire, l'entrée majestueuse avec l'arbre, le petit truc que. Ah bah il y a quelqu'un qui rentre dedans, la petite flamme là. Puis de dos,
c'est pas mal non plus. Enfin, elle est géniale, moi je trouve, franchement. Voilà, bon, ça c'était pour ce qui est des maisons. Bon, ça fait peut-être pas très militaire, mais franchement, j'adore. Alors, pourquoi il place la caméra toujours comme ça? Alors, donc on a pris possession de tout ça. Possession, pardon. Possession, ça ne le fait pas. Et on va s'attaquer à... Ah, mais non, en fait, c'était cette ville-là, je crois, qui s'est construite, oui. Et alors, lui, s'il compte venir chercher mon épice, ça va pas le faire, mon gamin. Hop, 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 hop. Ah non, ça va, il a de la chance. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non! Alors toi, t'as pas intérêt à prendre un gisement. Non. Barre-toi de mes gisements. Voilà, c'est très bien. Oh, il a tout détruit, il est comme ça. Allez. Ça, c'est une bonne idée, mais bon. Bon, donc du coup... Oh, ça, j'avais jamais vu ça. J'ai encore jamais remarqué qu'il y avait ce genre de truc là. Il est pour moi. Non. Non. On va le reprendre aussitôt. Ah, ils sont déjà pas contents, eux. T'as une grosse cervelle sur pattes là. Bon, bon, bon. Moi je dis qu'on va se quitter pour la destruction de ce petit truc là. Et que... Bah voilà. On va se quitter. Donc bah, je vous dis à bientôt pour l'épisode 10. Voilà. Et alors je vous remercie aussi. Ça j'avais oublié, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je vous remercie parce qu'on a atteint, à mon avis, avec cette vidéo aussi, les 3000 vues. C'est vraiment génial sur ma chaîne. Et surtout les 63 abonnés. C'est vraiment génial. Franchement, je vous remercie énormément. Bah donc voilà. Bah, je vous dis, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Salut à tous.